j'ai découvert que je vivais avec le VIH en 2010. Donc, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et comme toutes les jeunes filles de mon âge à l'époque, j'étais loin de m'imaginer que voilà, quoi, on allait m'annoncer que, après un test de routine, on allait me dire que j'étais séropositive. Donc, l'infirmière m'a annoncé la nouvelle. Et c'était un choc. C'était très perturbant. Moi qui avais l'habitude de conseiller, parce que pour tout vous dire, j'étais père éducateur à l'époque. Donc je savais un peu ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour ne pas tomber dans la situation dans laquelle je me trouvais à l'instant. L'annonce de la maladie a fait l'effet d'une bombe dans le cœur de cette femme. Elle réside au quartier Ngousso à Yaoundé. Pour le besoin d'anonymat, nous l'avons appelée Hope, qui signifie espoir. L'espoir cohabite avec cette jeune dame depuis 2010. Cette année-là, tout a basculé. Un matin, Hope reçoit une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est enceinte. L'enthousiasme de cette annonce est douché par la mauvaise nouvelle. Hope apprend qu'elle est porteuse du virus du sida. Son sang ne fit qu'un tour. Dans sa tête, le sida, c'est le pire qui puisse lui arriver après plusieurs tentatives de tomber enceinte. De l'anxiété au dégoût de la vie, les sentiments noirs défilent et s'entremêlent. Mais après plusieurs jours à broyer du noir, elle a comme une révélation. Elle ne doit pas baisser les bras. Heureusement pour Hope, la néonatologie a fait des grands progrès ces dernières années. Aujourd'hui, une femme enceinte séropositive peut mettre au monde un bébé sain et l'allaiter en toute quiétude. Il reste néanmoins que le risque crée l'intrigue au sujet de l'allaitement au sein par une mère séropositive. La peur de contaminer le bébé était une souffrance psychologique pour les mamans malades. Depuis la découverte de la maladie dans les années 80, l'allaitement maternel était interdit. Mais grâce à l'évolution de la médecine, le risque devient la règle. Allaiter, quand on a le VIH-Sida, n'est plus une crainte, à condition de prendre quelques précautions. C'est possible pour une maman infectée par le VIH d'allaiter son bébé. Grâce à l'avancée de la science, à la prise des ARV, on parle désormais d'allaitement maternel sécurisé par la prise de ces ARV-là. Donc c'est possible d'allaiter son enfant, même si on est porteuse du virus. La prise rigoureuse des antirétroviraux, c'est le secret pour que mère et enfant partagent ce petit moment d'intimité. S'ils ne parviennent pas à éliminer complètement le virus chez les femmes, les ARV réduisent suffisamment la charge de la maladie. Et ainsi, permet aux enfants nés de femmes vivant avec le VIH de ne pas être infectés. Deux batailles s'imposent désormais dans le quotidien de Hope. Accepter la maladie et commencer le traitement. Un parcours du combattant pour cette femme qui ne demande que la vie pour elle et pour son petit bébé. Malgré les effets secondaires liés au traitement, elle a respecté la prescription médicale. La vie de son enfant était en jeu. À cause de la grossesse que je portais, j'étais obligée de prendre sur moi et d'accepter déjà. Ce n'était pas évident. Donc, ce que j'ai fait, j'ai accepté. On m'a mis sous traitement. Et le traitement, moi qui n'aime pas les comprimés, le traitement était rude parce que les effets secondaires sont parfois les vomissements. Parfois, je me réveillais le matin, j'étais nauséeuse. J'avais envie de vomir à chaque fois. En plus des effets de la grossesse, c'était pas facile. Donc, mais petit à petit, J'ai commencé à m'habituer aux effets des médicaments. Et pour le bébé que je portais, il était hors de question que j'abandonne. Donc pour moi, c'était lui sauver la vie d'abord. Donc ensuite, il est né et heureusement, il est séronégatif aujourd'hui. Et c'était pour moi une victoire de savoir que j'ai pu faire tout pour protéger mon enfant.
C'est un combat difficile qu'elle mène depuis plusieurs années dans la discrétion, loin, bien loin des regards moqueurs ou des jugements. Pour éviter la stigmatisation de ces femmes porteuses de VIH, les différents centres de lutte contre le VIH au Cameroun sont là pour les réconforter à travers des programmes d'accompagnement psychologique et la sensibilisation des uns et des autres sur la maladie. C'est pas facile, ça faudrait le dire, parce que même pour cette personne qui n'est pas infectée, faire un test de VIH est toujours quelque chose de difficile. Savoir qu'on pourrait avoir ou pas le virus. Pour celle-là qui a un enfant également, c'est encore plus difficile en ce sens où elle a peur de transmettre le virus à son enfant, elle a peur de mourir, elle a peur du regard de la société à son endroit. Donc, c'est pas facile. C'est un accompagnement psychologique, un accompagnement social. On essaye d'être au maximum auprès d'elle, comprendre, pour qu'elle comprenne la maladie, qu'elle comprenne qu'elle peut vivre avec ce virus, qu'elle peut avoir un enfant sain malgré qu'elle soit porteuse du VIH et qu'elle a besoin d'être accompagnée. Nous travaillons avec des organisations à base communautaire qui font ce suivi rapproché là jusqu'au domicile pour comprendre les besoins, pour l'accompagner dans sa prise de médicaments qui est quotidienne et qui est à vie. Et également, nous travaillons avec des pères, donc c'est-à-dire des femmes infectées par le VIH qui ont réussi la PTME, qui font cet accompagnement psychologique-là. Elles sont comme des preuves vivantes pour ces femmes-là, pour les amener à prendre leur traitement, à rester observantes sous ce traitement-là et à supprimer leur charge virale pour ne pas transmettre le virus à leur enfant. Les femmes porteuses de VIH sont aussi appelées à communiquer avec leurs partenaires afin d'éviter tout malentendu. Pour les partenaires des femmes enceintes, ce que nous faisons généralement, c'est motiver la femme enceinte à divulguer son statut à son partenaire, parce que c'est la partie la plus difficile de dire à son partenaire qu'on est infecté par le VIH. Vous avez ces femmes qui ont besoin de temps pour le faire. Vous avez celles-là qui préfèrent rester dans l'anonymat de son statut, ne pas divulguer son statut à son partenaire, peut-être de peur d'être chassée, de peur d'être abandonnée. Vous avez celles-là qui demandent votre accompagnement pour l'annonce de ce statut-là. Donc, pour les partenaires, certains accompagnent effectivement leur compagne durant la grossesse, acceptent le statut. Vous avez ceux-là, donc le partenaire connaît déjà son statut, qui est peut-être également infecté. Vous avez ce partenaire qui est peut-être séronégatif, mais qui accepte le statut de sa compagne. Et tous ensemble, on fait ce qu'on appelle le soutien à la famille pour ce nouveau-né-là qui est l'objectif et qu'il ne soit pas infecté. Malgré la sensibilisation, le regard de haine, de moquerie à l'endroit des femmes porteuses de VIH reste une réalité dans la société. Les attitudes blessantes vis-à-vis des personnes concernées n'ont pas vraiment changé malgré le temps et les progrès de la science. Comment comprendre ce tabou? Le professeur Abouna s'exprime sur la question. On est dans les représentations les représentations socioculturelles d'une maladie et de façon spécifique les représentations socioculturelles du VIH-Sida. Et il est notoirement établi en sciences sociales, en général et en anthropologie en particulier, qu'il n'y a pas de société suicidaire. C'est-à-dire qu'une société ne peut pas accepter de se constituer et en même temps admettre en son sein un élément ou une disposition qui fera en sorte que cette société-là puisse disparaître. Donc les représentations sociales de rejet qui tournent autour du VIH-Sida sont un peu liées à cela. C'est d'autant plus que le VIH-Sida s'attaque à la reproduction et a pour socle principal le sang qui héberge la vie. Donc, pour répondre à votre question, il faut dire que
Cette peur est liée au fait que la société a peur de disparaître et la société a peur de savoir qu'elle est attaquée dans ce qui héberge la vie. Donc ces représentations-là, en réalité, sont des représentations de rupture. Ça, c'est une chose. L'autre chose tient à l'allaitement maternel. Dans beaucoup de nos sociétés, la fraternité est liée non pas au fait que vous avez partagé le même utérus, mais davantage au fait que vous vous êtes partagé le même sein maternel. Donc vous voyez que c'est une maladie qui s'attaque véritablement aux sources de la fraternité. Et vous comprenez donc que la fraternité agrégée à la vie sont vraiment parmi les valeurs les plus importantes de nos cultures, au point où s'il y a un mal qui menace ces deux valeurs-là et qui peut être contagieux, la société va prendre des dispositions pour éloigner, avec les moyens qui sont les siennes, ce mal-là à travers le rejet. Malgré le regard de la société et le questionnement de certains, Hope a décidé d'en parler à ses proches. Elle a pris son courage à deux mains, sans se soucier de la réaction qui pourrait suivre. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé au départ, parce que leur papa n'a pas tout de suite accepté. Il n'a pas tout de suite accepté la situation. C'était compliqué, il ne voulait pas que j'en parle, mais moi je ressentais le besoin d'en parler parce que ça me libérait en quelque sorte, ça me permettait de parler de moi. Et ça fait que dès le départ, bon, je crois que j'ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à ma mère parce qu'il fallait qu'elle sache avec le premier enfant. Obligée de lui dire parce que vous savez, les mamans, premier enfant d'une jeune fille, elle veut tout savoir, elle veut tout savoir en fait. Donc je ne pouvais pas lui cacher ça. Par la suite, j'en ai parlé à mes frères et sœurs, progressivement. Et ensuite, j'en ai parlé à mon père. J'ai des amis proches qui sont au courant de ma situation. Et parfois, quand ça va mal, je leur dis, écoute, aujourd'hui, ça ne va pas fort. Parce que le traitement, parfois, c'est aléas. Il y a des jours où on ne se sent pas bien. Comme là, depuis hier, je ne me sens pas très bien. Mais il fallait faire le reportage. Je ne me sens pas très bien. Il y a des jours où on se réveille, on a envie de vomir. On ne se sent vraiment pas bien. Donc, mes amis savent. Mon entourage professionnel n'est pas au courant parce que, bon, j'ai choisi comme ça. Il y a des personnes qui, oui, mais j'ai choisi de limiter à certaines personnes. Donc. Le VIH se transmet de plusieurs manières. L'utilisation d'un matériel d'injection mal stérilisé pour des piercings, tatouages ou même des soins dans un salon de beauté. Si une personne séropositive a précédemment utilisé ces outils, alors il est fort probable qu'il soit contaminé. Mais le VIH est pour la plupart considéré comme une maladie de la honte due à une sexualité immorale. Le VIH-Sida est le symbole même de la maladie au sens africain du terme. Vous savez, en Afrique, maladie veut dire maladie. C'est-à-dire le mal a dit, c'est-à-dire un mal qui parle. Et bien évidemment, lorsque vous êtes infecté au VIH-Sida, c'est comme si c'était un discours qui est en train de dire que vous avez été, vous avez trahi peut-être votre mari, ou alors vous avez été infidèle, ou alors vous êtes frivole. Et je crois que votre question tient à cela, c'est-à-dire où elle établit le VIH dans le champ de la communication, comme étant quelque chose qui parle, quelque chose qui montre qu'on n'est pas sérieux dans les comportements sexuels, et une maladie qui peut également montrer qu'on peut être frappé par un sort. Vous savez que l'occurrence des maladies est également liée au fait que vous pouvez être multi, vous pouvez avoir volé le bien d'autrui, vous pouvez avoir arraché la femme d'autrui, etc., etc. Donc je crois qu'à ce niveau-là, le VIH-Sida peut être considéré comme maladie au sens africain du terme, c'est-à-dire au sens du mal qui dit
mal qui parle. La grossesse n'aggrave pas l'évolution de l'infection par le VIH. Le risque principal est la transmission du virus de la mère à l'enfant. La transmission peut être prévenue à travers un suivi spécial de la grossesse. Lorsque une femme séropositive est enceinte, la prise en charge diffère. Nous avons celle-là qui est déjà connue, VIH+, avant d'être enceinte. Pour ce cas de figure, elle va continuer la prise de ses ARV, faire son suivi clinique par rapport à sa grossesse, mais également on va faire ce qu'on appelle la mesure de la charge virale. Donc on va surveiller la quantité de virus dans son organisme pour se rassurer qu'elle ne transmette pas le virus à son enfant. Nous avons également celle-là qui découvre qu'elle est séropositive pendant sa grossesse au cours de ses examens prénatales. Pour ces femmes-là, il faudrait l'accompagner. Il faudrait qu'elle soit mise immédiatement sous traitement pour ne pas infecter son nouveau-né. Donc, le suivi de la grossesse, le suivi de la charge virale se fera comme pour l'autre cas de figure de tout à l'heure. Mais l'objectif pour ces femmes enceintes et porteuses du virus du VIH, c'est s'assurer qu'elles ne transmettent pas le virus à leur enfant. Éradiquer la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le combat est au cœur de notre société. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a procédé le 19 septembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé au lancement de la troisième édition du Forum national sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la problématique de la pharmacopée-résistance du VIH. Placé sous le signe du renforcement des stratégies de prévention, de promotion et de prise en charge, la troisième édition de ce forum national a réuni près de 1500 participants. L'on a rencontré des experts, des professionnels de la santé, des décideurs politiques et des représentants de la société civile. Ce beau monde a pendant plusieurs jours discuté des meilleures pratiques et partagé les dernières avancées en matière de prévention de la transmission mère-enfant du VIH tout en promouvant une riposte multisectorielle efficace. Sur peut-être 10 femmes enceintes, nous aurons 9 femmes infectées qui vont nous faire des enfants sains. Ça fait que la nouvelle va de bouche à oreille, ça va dans les communiqués, ça fait qu'on a vraiment assez de femmes qui viennent parce qu'elles savent que par rapport au suivi, elles vont nous faire des enfants sains, sans être infectées. Les objectifs sont les suivants. Il y a d'abord la sensibilisation. La sensibilisation se fait d'abord à tous les niveaux, en formation sanitaire, dans toutes les portes d'entrée, à la fondation, en communauté. Bon, ça fait que toute personne, toute femme enceinte, tout malade qui se présente à la fondation Chantal Biya doit se faire dépister. C'est pour ça que le premier 95 est en vue d'être atteint. Le deuxième 95, donc, ça fait que toute personne déclarée séropositive doit prendre son traitement, doit être liée au traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier jour où la femme enceinte ou alors un client se présente, il est dépisté séropositif, il rentre chez lui avec son traitement déjà. Tout est en place. Et ça fait que 6 mois après, la charge virale est vérifiée et puis le troisième 95 est atteint. C'est-à-dire qu'il supprime sa charge virale. Cet important rendez-vous vise à renforcer les stratégies de prévention, de promotion et de prise en charge visant l'accès universel des populations camerounaises aux soins et services de santé de qualité. Au sorti de cette rencontre, sur toutes les lèvres, une même satisfaction, celle de dire avec certitude qu'il est possible pour une femme séropositive d'allaiter comme toutes les autres femmes. Avec la possibilité aujourd'hui de donner à la femme séropositive de pouvoir allaiter son enfant sereinement, nous pouvons nous réjouir du fait que la recherche a permis cette grande avancée et qui augure d'une possible élimination du VIH à l'horizon 2030. Et c'est également un challenge qui peut être gagné dans la perspective où tout le monde, tous les acteurs concernés jouent leur jeu, jouent le rôle qui leur est assigné. Et nous nous réjouissons du fait que les travaux qui sont menés dans ce sens-là portent des fruits aujourd'hui. Et nous pouvons espérer que le VIH pourra être vaincu à travers le monde
et particulièrement au Cameroun. C'est possible pour une femme séropositive d'allaiter de nos jours sans problème. Pourquoi? Parce qu'elle est sous traitement IVC, elle est suivie régulièrement dans les formations sanitaires et mise sous traitement antirétroviraux. Elle peut être suivie, elle peut allaiter son enfant sans problème. Et nous conseillons même justement dans ce sens les femmes séropositives à se rapprocher des formations sanitaires pour le counseling, le suivi prénatal, le suivi pendant l'accouchement et le suivi postnatal. Donc elles auront tous les conseils à leur portée pour pouvoir allaiter leurs enfants et choisir. C'est un choix, soit elles allaitent, soit elles donnent de l'allaitement artificiel, mais ce que nous conseillons, c'est l'allaitement maternel. Et quand nous leur demandons de venir dans nos formations sanitaires, c'est justement pour qu'elles aient un suivi régulier, de telle sorte qu'au moment de l'accouchement, elles puissent allaiter leur enfant sans problème. Avec l'évolution de la science et tout ce que ça comporte, la femme est à mesure, si elle est prise en charge dès la grossesse, de pouvoir allaiter son enfant sans problème. Et il est important pour toutes ces femmes de se faire dépister avant et être prise en charge bien avant et durant tous les 9 mois que dure la grossesse. Ce qui va permettre que l'enfant puisse être allaité sainement. Le taux de prévalence du VIH-Sida en 2022 au Cameroun est de 400 280 228 personnes, parmi lesquelles 6% d'enfants de moins de 15 ans et 60% de femmes. Le nombre de décès liés à cette pandémie est de 10 198 dans la même période contre 17 679 en 2018, soit une réduction de 44% selon le rapport 2022 du ministère de la Santé publique. L'allaitement maternel suscite encore des débats passionnés. Pour les femmes séropositives, il est parfois très difficile de choisir entre donner le sein ou nourrir au biberon à cause des pressions dont elles font l'objet de la part de leur entourage. Certaines organisations non gouvernementales sont sur le front de la sensibilisation pour faire bouger les lignes. Nous sommes allés à la rencontre du coordonnateur de Family Club. Pour lui, hormis le fait que la médecine ait facilité les choses pour les mamans séropositives, elles doivent également faire preuve de responsabilité. C'est une question d'enseignement. Très peu de personnes ont la bonne information. Et d'où l'importance de ce que nous faisons comme acteurs de la société civile pour conscientiser, pour passer la bonne information à la société. Donc il y a un devoir d'éducation populaire, d'éducation de masse, pour que chacun comprenne que c'est possible d'être dans un couple et qu'une personne soit malade et que l'autre non. Que c'est possible d'être une maman, d'allaiter un enfant et si tout le protocole de soins est respecté, que l'enfant ne soit pas contaminé. Mais c'est une question de discipline également. Nous savons que nous sommes dans un environnement où la discipline de vie est faible. Du coup, quand on sait déjà que la mère est porteuse du virus, on se dit certainement qu'elle n'a pas pris tout son traitement rétroviral, certainement elle a oublié de respecter le protocole dédié à l'enfant. Du coup, c'est possible que l'enfant soit contaminé. Donc, autant de considérations qui relèvent du fait que nous sommes dans un environnement d'indiscipline, d'incivisme, et qui fait qu'on ne peut pas se faire confiance. Et on se dit que c'est possible que la mère ait déjà contaminé l'enfant. Et même dans les lieux d'accouchement. Avec l'ensemble de son équipe, Jonas Iyedidia parcourt le triangle national pour sensibiliser les jeunes femmes au sujet de la maladie. Sur le terrain, le constat est clair. La stigmatisation et la discrimination à l'endroit des femmes séropositives prend de l'ampleur. Des attitudes qui ont un impact négatif sur les efforts fournis pour la prévention et la prise en charge du VIH-Sida. À chacune de ces descentes, il tient le même discours. Il faut éradiquer le jugement, briser les tabous et accepter que le VIH est une réalité et que l'on peut vivre avec le virus
aussi longtemps que possible, à condition que le traitement soit respecté. Pour changer le regard de la société, il y a un travail de fond à tous les niveaux. D'abord, au niveau de la société elle-même, il faut une éducation de masse. Vous et moi, nous devons contribuer, nous qui connaissons déjà la bonne information, nous devons contribuer à passer cette bonne information à la société pour dire c'est possible d'être séropositif et d'allaiter sereinement son enfant si on respecte tout le protocole sanitaire dédié à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ça, c'est la première information. Et à une autre échelle, la femme séropositive elle-même, elle doit être responsable. Savoir que c'est une maladie comme les autres, et si elle suit son traitement normalement, elle ne peut plus en mourir. Et si elle suit sereinement le traitement et fait également à ce que son enfant suive tout le protocole, elle n'expose pas son enfant. Si à son niveau, la mère comprend déjà l'importance de la discipline, du respect du protocole établi par des scientifiques, elle n'aura plus honte de dire même en famille, oui, je suis malade, mais je parviens à allaiter mon enfant parce que je suis tel traitement et mon enfant également est mis sous traitement. Et à un autre niveau, au niveau sanitaire, il faut également que le personnel soignant travaille efficacement pour éduquer les mamans qui viennent aux visites prénatales. Parce que beaucoup de femmes vivent avec la maladie, mais n'ont pas assez de chance d'échanger de manière profonde, de manière sincère, avec beaucoup de temps avec le personnel de santé. Et elle arrive, elle est déjà malade, on dit oui, tu vas suivre tel ou tel traitement. C'est des échanges brefs qui ne permettent pas à la femme de comprendre que c'est possible de vivre longtemps avec cette maladie et aussi que c'est possible de sauver son enfant. Donc si les professionnels de santé travaillent avec professionnalisme et que la femme elle-même est disciplinée, suit le protocole et que la société a la bonne information, le tabou sera levé. Nous travaillons aux côtés du ministère de la Santé publique dans la promotion de la santé et la lutte contre la maladie. Chaque fois qu'il a été question de travailler avec des personnes porteuses des maladies jusqu'ici incurables, c'est des questions parfois tabous, des personnes réticentes, des personnes qui ne veulent pas se faire voir publiquement et considérer comme telles parce que la société elle-même ne les regarde pas avec beaucoup de tendresse. Et surtout quand il s'agit maintenant de dire que telle maman est malade et elle a un enfant qu'elle allaite, parfois c'est toute la famille qui se sent un peu gênée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'enfant est déjà contaminé aussi? Est-ce que le mari est aussi contaminé? Etc. Alors qu'il existe des solutions qui permettent de vivre ensemble sans que tout le monde dans cette vie collective ne soit à la fois contaminé. Pour l'instant, il n'existe pas de moyen de guérir l'infection à VIH. Cependant, grâce à l'accès à une prévention, à un diagnostic, à un traitement et à des soins efficaces, l'on peut espérer. Il y a des raisons d'espérer. Aujourd'hui, personne ne devrait mourir du VIH. Les gens peuvent porter la maladie et ne pas en mourir parce que la prise en charge a évolué. Des modes de discipline, je reviens au même mot, la discipline. Toutes les maladies incurables, toutes les maladies chroniques demandent premièrement que vous soyez discipliné et que vous respectiez le protocole de traitement que le corps médical vous donne. Quand c'est respecté, les gens vivent normalement, vous avez l'impression qu'ils ne souffrent de rien, ils mènent une vie conjugale sans que vous ne sachiez qu'ils sont malades. Ils prennent des précautions pour protéger l'autre partenaire, pour protéger l'enfant qui naît d'un couple.
Le VIH cible les globules blancs, affaiblit le système immunitaire et rend les personnes touchées plus susceptibles de contracter certaines maladies, comme la tuberculose, les infections et certains cancers. Le VIH se transmet par les liquides corporels d'une personne infectée, par le sang, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales. De la mère à l'enfant principalement, jusqu'ici c'est 3 mois, c'est-à-dire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. C'est davantage pendant l'accouchement qu'on met l'accent parce qu'il y a manipulation des organes, il y a manipulation de sang pendant l'accouchement. Mais si c'est bien géré, si c'est professionnellement géré et que pendant la grossesse, la mère prend le traitement qui permet de ne pas transmettre le virus à l'enfant étant dans le ventre et que pendant l'accouchement, la manipulation du matériel tranchant, quand on coupe le cordon ombilical est bien géré, c'est possible que l'enfant ne soit pas contaminé. Nous travaillons en milieu jeune sur cette thématique-là. Nous sommes davantage présents dans la vaccination et vous parlez de l'allaitement. Pour qu'un enfant grandisse avec son plein potentiel, il faut, un, qu'il ait tout son vaccin, qu'on comprenne tout ce qu'il y a dans son sang. Est-ce qu'il est déjà contaminé à tel ou tel virus? S'il n'est pas contaminé, trouver un cadre pour que cet enfant grandisse sans avoir un contact avec ces maladies-là. Et l'autre niveau, c'est qu'il aille à l'école. Parce que quand on parle de la stratégie nationale de développement, c'est ça qui est le cadre de développement au Cameroun et qui prévoit un certain nombre de paquets pour que le Cameroun soit émergent. Si nous n'avons pas des enfants, que nous prenons bien en soin et qu'ils grandissent avec la maladie, ils n'auront pas la même chance de cueillir la dividende économique, de capter les fruits de la dividende. Nous travaillons donc à ce que chaque famille fasse tout pour que chaque citoyen grandisse avec les mêmes chances d'intégrer toutes les écoles parce qu'il sera en santé, de travailler longtemps parce qu'il sera en santé. Promouvoir la santé, être au chevet des femmes séropositives et autres personnes malades, l'association Family Club ne ménage aucun effort. Grâce à son implication et à sa détermination, l'association collabore avec le ministère de la Santé publique. Il y a beaucoup d'initiatives que le gouvernement prend pour permettre à la population de participer à sa promotion de la santé et de se protéger contre la maladie ou se faire soigner. Avec également la couverture santé universelle qui vient d'être lancée par le ministre de la Santé publique, notre travail, c'est d'enseigner tous les différents packages proposés par le ministère de la Santé publique, par là le gouvernement, pour que la population soit en santé. Ça, c'est le niveau 1 de notre travail. Nous avons également une lettre de collaboration qui nous permet de travailler étroitement avec le Comité national de lutte contre le sida dans la mobilisation des jeunes contre le VIH. Il faut travailler à ce qu'on ait une génération qui grandit sans VIH, qui grandit sans polio, qui grandit sans les hépatites, qui grandit sans toutes les maladies contagieuses, les IST évitables par la vaccination. Pour le moment, il n'y a pas encore de vaccin contre le VIH. Le vaccin, c'est la discipline, c'est l'abstinence pour les jeunes. C'est la fidélité pour les mariés, c'est l'utilisation des préservatifs pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas supporter la zachère, comme on dit. C'est également prendre son traitement antirétroviral et respecter tous les rendez-vous. Autre volet important dans la vie d'une femme séropositive, l'alimentation. Sans hésitation, Coach Emily, diététicienne, nous donne la recette qu'il faut. Elle doit privilégier les aliments qui lui apportent, qui favorisent son immunité corporelle, qui vont favoriser l'immunité corporelle, donc ça passera par le lait. Maintenant, quels sont donc ces aliments qui favorisent l'immunité corporelle?
elle doit consommer des aliments vitalisants, des aliments qui ont la vie. C'est-à-dire quoi? Des aliments qui n'ont pas été transformés dans des machines. Des aliments qu'on appelle des aliments ultra transformés qui ont des additifs. Elle ne doit même pas regarder ce type d'aliments parce que ce type d'aliments va baisser son immunité. Alors, qu'est-ce qu'elle peut consommer comme aliment vitalisant? Elle devra consommer tous les jours des légumes sous toutes ses formes. Maintenant, ça dépend de la manipulation culinaire. Il ne faudrait pas que ces légumes préparés aient trop d'huile, trop de sel et beaucoup de zostères de goût. Donc, je préfère même qu'elle supprime les zostères de goût dans sa nourriture parce que ces zostères de goût lui apporteront des radicaux libres dans l'organisme. Et ces radicaux libres vont favoriser à la destruction, du moins à la baisse de son taux d'immunité. Donc, elle doit consommer aussi des fruits. Les fruits, pourquoi? Parce que ces fruits ont beaucoup de vitamines et beaucoup de nutriments qui vont favoriser la montée de son taux d'immunité. Elle doit consommer des féculents naturels. On peut parler ici de la patate douce, du manioc, des ignames, du riz, les différents types de couscous, mais que ce soit des couscous naturels. Maintenant, elle accompagne ça avec des sauces naturel, je précise bien naturel parce que tout ce qui est produit raffiné baisse l'immunité de la femme allaitante porteuse de VIH. L'OMS recommande que les bébés soient exclusivement nourris au sein jusqu'à l'âge de 6 mois, puis que l'allaitement soit poursuivi avec des aliments complémentaires jusqu'à 2 ans, voire plus. Pour un enfant allaité par une maman séropositive, certains aliments doivent être impérativement consommés par la maman pour plus de vitamines. En ce qui concerne le nourrisson, on a souvent l'art de dire qu'il faudrait que la mère consomme beaucoup de lait de vache pour pouvoir augmenter la sécrétion lactée. Sachez qu'il y a aussi d'autres aliments végétaux qui augmentent l'immunité de la femme. Nous avons comme ça la poudre de baobab. La poudre de baobab aide aussi la femme parce que ça contient beaucoup de calcium. Ça va favoriser, ça va fortifier les os de l'enfant. Ça va aussi fortifier ce tissu osseux. Ça va permettre la fixation de la vitamine C au niveau des os de l'enfant. Donc, la poudre de baobab, je conseille cela à la mère allaitante, qu'elle le prenne en smoothie. Elle n'est pas obligée d'ajouter du sucre raffiné à l'intérieur. Elle peut tremper la date, la veille, ou bien le jour qu'elle est en train de faire ce jus de baobab. Elle trempe la date, elle le dénoyote, elle écrase au mixeur, elle mélange avec la poudre de baobab, c'est un bon jus pour augmenter sa quantité de calcium naturellement dans son organisme. Nous avons aussi les feuilles d'oseille, qu'on appelle vraiment le foléré. Là, ce sont les boissons qui vont permettre à la maman d'augmenter sa sécrétion lactée pour pouvoir faire en sorte que l'enfant consomme, mange bien et ait beaucoup d'appétit. Mais maintenant, ces différentes boissons ne doivent pas être sucrées, ce goût sucré avec du sucre raffiné. Il faudrait qu'elles sachent qu'il y a des alternatives à ce sucre. Comme je dis toujours, il y a la date. La date est un meilleur sucre, est un bon sucre en dehors du miel, du bon miel, pour sucrer les différentes boissons, les différents menus de notre femme allaitante. Le lait maternel est le meilleur aliment pour le nouveau-né et les nourrissons. Il fournit tous les nutriments pour que l'enfant puisse se développer de façon optimale et contient des anticorps qui le protègent des maladies courantes. Chez la mère, l'allaitement favorise le lien d'attachement, accélère la récupération après l'accouchement et diminue le risque de dépression postpartum ainsi que celui du cancer du sein et de l'ovaire. Mais séropositive ou pas, certaines femmes ont un manque de lait après l'accouchement. Dans ce cas, il faut penser aux alternatives. La maman séropositive, si elle n'arrive pas à allaiter son enfant avec son lait maternel, il y a des alternatives à ça, des alternatives nutritionnelles. Elle doit d'abord aussi se rapprocher des personnes professionnelles
qui sont capables de l'aider dans cette alimentation. Alors, pour l'enfant, nous avons des alternatives au lait de vache. Le lait de vache, qui est aussi une alternative à, du moins, ça ne peut pas remplacer le lait maternel à 100%, mais elle peut commencer avec ce lait de vache et en plus ajouter des céréales selon le nombre de mois que l'enfant aura atteint. Mais de plus en plus, il faudrait faire à un certain moment des purées, des compotes aux enfants avec des aliments naturels, avec des fruits, avec des légumes, et ajouter cela au moment venu, donc quand le mois correspondant à l'enfant est arrivé, il faudrait passer au plus naturel que d'acheter des céréales en bouteille ou bien en boîte. Les mamans aujourd'hui doivent avoir la force de préparer pour leur enfant. Faites des purées de tout. On fait les purées de tout aujourd'hui. On fait les purées de pommes, les purées d'igname, les purées de patates douces, les purées de carottes, les purées de tout type de purée de légumes pour aider votre enfant à ce manquement que vous n'avez pas pu lui donner, vous, maman, séropositive, avec votre lait maternel. Grâce à cette alimentation, la femme séropositive allaitante trouvera de l'énergie et de la force pour faire face au rejet, aux préjugés et à la mise à l'écart par certaines personnes qui n'acceptent pas la maladie. Mettre fin aux inégalités en faveur des femmes séropositives allaitantes. La stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 est une approche audacieuse qui vise à réduire ces inégalités qui sont de plus en plus présentes. Une démarche difficile qui nécessite un certain nombre de changements. Il est difficile de changer ces inégalités-là. Le meilleur moyen de changer ces inégalités-là, c'est de trouver des thérapies. Des thérapies non pas sociales, mais des thérapies médicales qui rassurent les individus quant à la dangerosité du VIH, du VIH-SIDA. Vous savez, en sciences sociales en général et en anthropologie en particulier, la maladie a un certain nombre d'instances qui sont formulées avec des mots anglo-saxons. La maladie, c'est d'abord disease. La maladie, c'est ensuite illness. La maladie, c'est enfin sickness. Disease, c'est la maladie telle qu'elle est diagnostiquée par le médecin. Illness, c'est la maladie telle qu'elle est ressentie, vécue par l'individu. Et sickness, c'est la maladie telle qu'elle est représentée par la société. Et la représentation sociale de la maladie dépend de la façon dont elle est vécue par l'individu et surtout de la façon dont elle est diagnostiquée et prise en charge par la biomédecine. Donc, pour venir à bout de ces inégalités-là, je crois qu'il faudra rompre le lien qui unit ces trois instances de maladie. Et le meilleur moyen de rompre ce lien-là, c'est au niveau du docteur. Donc, si la médecine a des moyens efficaces, sur le plan, aussi bien sur le plan curatif que sur le plan préventif, de prendre en charge le VIH-SIDA, les représentations qui accompagnent cette maladie-là changeront elles aussi ces représentations-là. Le Cameroun a mis des stratégies en œuvre pour atteindre l'objectif des 3,95 fixé par l'ONU-SIDA à l'horizon 2030, parmi lesquelles la réduction de la transmission de la mère à l'enfant. Bien que la lutte contre le VIH-SIDA ait fait des progrès louables dans notre pays, il n'en demeure pas moins que le Cameroun soit parmi les 10 pays au monde où le taux de contamination reste élevé. Les mamans séropositives peuvent allaiter leur bébé si elles prennent bien leur traitement et suivent normalement les conseils des médecins. Pour Hope, l'amour est plus fort que la maladie. Il faut rester positif, quoi qu'il arrive. Tout peut arriver dans la vie. On ne choisit pas d'être séropositif. On constate un jour, après un examen médical, qu'on est séropositif. Et même que ça vaut mieux de connaître son statut que de marcher comme ça dans la rue, ne pas le savoir. Donc tout peut arriver dans la vie et quand cela arrive, il faut juste suivre les recommandations des médecins, du personnel soignant,
pour que tout se passe pour le mieux. Ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Il pourra avoir des problèmes d'ordre psychologique parce que déjà accepter cet état des choses n'est pas évident. Mais on dit souvent quoi, tout passe, la vie continue. Avec les autres femmes qui sont dans la même situation que moi, en général, c'est quand on se retrouve toutes à l'hôpital pour prendre nos médicaments. On peut s'envoyer un sourire réconfortant. Et pour celles qui sont un peu plus ouvertes, elles peuvent en parler. Et à chaque fois, moi, je profite pour partager mon expérience. Pour celles qui sont un peu plus down, j'essaye de leur remonter le moral. J'essaye de faire en sorte que, voilà, quoi, qu'elles se sentent mieux et qu'elles se disent que c'est une étape qu'il faut traverser et qu'il faut bien traverser pour se sentir mieux dans sa tête. Après une journée riche en émotions, la jeune femme avance d'un pas rassurant vers un avenir qu'elle souhaite encore meilleur. Sa maladie, nous dit-elle, ne sera jamais un frein à son bonheur. Moi, mon sourire ne me quitte jamais. Je suis quelqu'un de très positif malgré cela. Donc, si jamais une personne X rencontre une personne séropositive, je pense que la meilleure des choses, c'est d'accepter cette personne-là. C'est de lui donner tout le soutien possible, tout son amour, afin que, voilà, que la personne se sente bien dans sa peau et bien avec les autres. Dans une ambiance conviviale, chaleureuse et très émouvante, nous quittons Hope avec la satisfaction d'avoir appris un peu plus sur son histoire et sur la maladie. Son sourire et sa bonne humeur nous laissent sans voix. Impossible de savoir qu'au fond de son cœur se cache un lourd secret, celui de trouver la force d'annoncer à ses enfants qu'elle est séropositive.